Bonjour à tous. Alors du coup, après la demeure de l'acteur, en fait, on s'est arrêté au bord de la route et on a découvert une bâtisse, mais alors très très belle. Donc, me demandez pas, je connais pas du tout les lieux. Je ne connais pas du tout les lieux. Et ça, par contre, ça c'est très rare. Enfin, c'est très rare. On en trouve, hein, bien sûr, mais c'est bien la première fois qu'on trouve. Un crucifix dans une chambre. Donc voilà, je vais vous faire voir le tour. Je vais faire un petit tour de cette demeure avec les vieux lustres. Très belle bâtisse, mais alors vraiment très 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 belle bâtisse. Alors vraiment, on est rentré au pif hein, parce que on savait pas du tout si on pouvait y rentrer. Et pas du tout si on pouvait y rentrer. C'est magnifique en fait. Je sais pas ce que c'est, mais. Alors on fait ça un peu à la rapide parce que voilà, on connaît pas du tout le lieu. On sait pas si ben, on est rentré, mais. Est-ce qu'on. On sait pas s'il y a des propriétaires ou pas. Hein. Donc là, on prend un petit peu des risques. On prend un petit peu des risques. Il reste tous les lustres. Il reste tous les lustres. Regardez avec la descente des escaliers là. Avec cette descente d'escalier. C'est magnifique. Là franchement, c'est comme quoi il ne faut pas grand-chose pour trouver des habitations. Même bizarre parce que bon, d'habitude on calcule quand même, hein. On sait où on va. On sait où on va. Et là, on est vraiment tombé par hasard dessus. Il y a une chauve-souris. Il y a une chauve-souris, elle se plante dans les cheminées. Elle se plante dans les cheminées. C'est vraiment un pur hasard, hein. Je vous le redis, mais c'est vraiment un pur hasard. C'est impressionnant. Grande bâtisse, hein. Très très grande bâtisse. Vous voyez là avec le lustre, quelques moulures, la cheminée. Très 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 belle cheminée. Alors vraiment magnifique quoi. Alors c'est une bâtisse qui doit dater des années 1800, 1800 quelque chose. De toute façon sur la maison c'est inscrit. C'est inscrit. Bon, ça c'est que la salle de bain avec la chaufferie. Encore une chambre. Encore une chambre que je ne peux pas ouvrir. Bon, rien de particulier ici. Rien de particulier. Petite salle de bain. Hop, excusez-moi. Petit escalier pour remonter. C'est le petit escalier pour remonter. Mais sincèrement, ça vaut vraiment la peine. Ça vaut vraiment la peine. Et là, je vous fais voir les sous-sols parce que les sous-sols sont magnifiques avec une cheminée aussi pareil. Certainement d'époque. Hein. Certainement d'époque. Là, c'est très très vieux par contre. Hein. C'est très très vieux. C'est vraiment très vieux. Alors, je fais ça un peu à la rapide. Hein. Je suis désolé, mais. On n'a pas vraiment le choix. Ouais, je sais, ouais, j'ai pas fait gaffe, tant pis. Donc là, c'est ça en fait, là, ce tour, en fait, c'est les escaliers à l'intérieur. C'est les escaliers à l'intérieur. Ah oui, d'accord. Hop, la chauve-souris.
C'est la grange. Une grange magnifique. Une grange magnifique. Alors, c'est des. Bah, en fait, c'est des frigos, du coup. C'est des frigos. Voyez. Il y a quoi à gauche? Une cheminée. Ah oui, d'accord. Encore une cheminée. Oh, c'est. Bon, encore celle-là, elle n'est pas aussi jolie que les autres, hein, mais. Donc voilà. Donc là, on ne restera pas longtemps. Je vais faire un tour dehors. Je vais simplement vous faire voir la bâtisse de l'extérieur. En fait, on est dans une région, mais à mon avis, il y en a de partout des maisons abandonnées. Il y en a de partout. Donc un petit extérieur pour vous faire voir un peu. Commencer, parce que c'est quand même. C'est joli. C'est joli. Donc, comme on est en bordure de route, on ne va pas prendre trop de risques. Hop. On ne va pas prendre trop de risques. Alors, ça, je sais pas ce que c'est. On va quand même aller voir. On va quand même aller voir. Hop. Ouais, c'est comme un pigeonnier en fait. Ouais, c'est ça. Non, ça c'est comme un pigeonnier, il n'y a rien. Hop là. Alors, hop. Donc voilà la bâtisse. Voilà la belle bâtisse. Après, c'est le genre de maison qu'on peut restaurer. 1800, j'arrive pas à voir. C'est quand même marqué là au-dessus. C'est marqué au-dessus. 1868. Voilà, c'est une bâtisse qui date de 1868. Mais bon, je le redis, mais putain, mais c'est classique de maisons abandonnées ici, en fait, dans la région. La fille maison abandonnée. Voilà, bah écoutez, bon visionnage hein. Sur ce, et ben ça c'était le petit plus parce que c'était pas prévu. Allez, au revoir.